Bonjour à toutes et merci de m'accueillir à l'université printanière du manoir du Coatzilosquet. Je tenais d'abord à remercier Magdalena Sou, puisque c'est elle qui m'a conviée à présenter mes travaux de master. Et alors, je m'appelle Nomelia. Je réalise un travail de recherche sous la direction d'Ito Shimazu, qui est elle-même spécialiste des sénacliaires du 19e siècle de manière générale, mais elle n'a pas travaillé précisément sur les salonnières de Sonnay-en-Belon qui, elles, se situent plus au tournant du siècle. Alors, je vais commencer par quelques petits éléments de contexte parce que je sais que ces autrices sont peu connues. À Sonnay-en-Belon, entre 1895 et 1914, six femmes se sont réunies tous les dimanches pour plusieurs raisons. Alors on va commencer par la raison qui, elle, est implémentée de l'extérieur, puisque ces six femmes étaient six vieilles femmes, toutes célibataires et toutes sans descendance. Donc elles étaient vues par la communauté du village un peu comme des sorcières, comme des femmes stériles, comme des femmes inutiles. Elles s'étaient toutes détournées de la religion chrétienne, et c'est pourquoi, au départ, le dimanche matin, elles avaient trouvé une petite chapelle abandonnée dans les environs du village et elles s'étaient donné pour mission de retaper la chapelle pour en faire un lieu à elles, un lieu à investir. Et ce qui est intéressant à partir de là, c'est que peu à peu va se mettre en place un processus de création littéraire qui n'était pas prévu au départ, qui vraiment se met en place presque naturellement. Donc elles ont commencé à se raconter des histoires à l'oral, donc des contes, et prenant la parole chacune à tour de rôle, de dimanche en dimanche. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va se former rapidement un corpus d'une quinzaine de contes. En fait, comme souvent, hein, quand on regarde la littérature orale et le conte, on parle de variantes, mais de variantes autour d'une même trame narrative. Donc ce qui va se passer, c'est que 15 trames narratives à peu près, hein, vont être isolées par ces femmes qui vont raconter d'un dimanche à l'autre la même histoire. Elles vont le faire progressivement, de plus en plus tard le soir, autour des veillées. Et ce sont ces moments qu'elles vont sacraliser, qui seront finalement comme le revers des messes auxquelles elles n'assistent pas, où elles seront réunies en cercle autour d'un feu de cheminée et où elles raconteront des histoires. Ce sont les conteuses. Parfois, certaines s'endorment, finissent par rester dormir dans la chapelle. Donc, c'est de la littérature orale au départ. Et comment, moi, élève de master, plus de 100 ans plus tard, je peux travailler sur cette littérature orale? Bah, c'est ce qui est super intéressant. Malheureusement, en 1914, la Première Guerre mondiale se déclenche. Or, Sonnay-en-Belon est un village qui se trouve à côté du front, à côté de Verdun. Et donc l'exil des habitants du village va rapidement être organisé, les vieilles femmes vont elles également partir, la chapelle sera d'ailleurs détruite par un obus, tout comme le reste du village, hein. Le village de Sonnay-en-Belon n'existe plus aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'il a entièrement été rasé. Et les femmes ne vont jamais se revoir. Alors on a une petite correspondance qui a été conservée jusqu'ici dans une boîte des Quais de Seine, bah justement par vous, Magdalena, il me semble que c'est vous en fait qui aviez donné cet ensemble de lettres à ma directrice de mémoire, qui me les a confiées. Et donc là on est en train d'établir d'ailleurs une petite édition critique qui paraîtra l'an prochain. Je vous préviens juste. Il y a peu de lettres, mais elles sont intéressantes parce que elles reforment le cercle, la chapelle, des femmes à distance, après la guerre. À ce moment-là, elles sont très âgées, puisque, alors en 1895, au tout début du salon, la plus jeune d'entre elles, Juliette Nadeau, a 55 ans, et la plus âgée, Liliane Ancel, a 75 ans. Donc, évidemment, en 1914, elles ne sont plus toutes jeunes. Ce qu'elles font, au moment de l'exil, c'est qu'elles se répartissent les 15 contes, pour que chacune d'entre elles en fixe une version écrite. Et c'est là qu'on a le basculement, ce qui est double. C'est-à-dire on va passer d'un corpus de littérature orale, donc soumis à variation, à évolution et à oubli, à un corpus de littérature écrit, donc où on va immobiliser une version,
et surtout on va permettre qu'elle soit conservée. Et on va aussi, dans ce double basculement, avoir un basculement auctorial, c'est-à-dire que les contes sont pluriauctoriaux, ils sont tissés, brodés ensemble par l'ensemble des conteuses, qui vont d'ailleurs, hein, d'une veillée à l'autre, intervertir les rôles. Toutes ne racontent pas à chaque fois le même fragment de conte. Et alors, là, pendant l'exil et pendant la fixation écrite, les auctorialités vont s'individualiser et donc les contes vont aussi se subjectiver. Et c'est très intéressant parce que on voit vraiment que d'un conte à l'autre, on n'est pas sur une reproduction fidèle du conte tel qu'il pouvait être dit à l'oral. On est sur une réécriture au sens propre du terme. Et sur une réécriture qui est doublement intéressante, alors déjà parce qu'elle fixe une subjectivité auctoriale, mais aussi parce qu'elle inscrit dans les contes le motif de l'exil et de la guerre, et de la destruction de la chapelle. Ça, on verra en lisant plus attentivement les contes, la manière dont les poétesses font jouer deux temporalités à l'intérieur des contes. Et voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Et je peux, avant de rentrer plus dans l'analyse des contes, déjà donner un ou deux exemples à propos de ces processus d'individuation. Alors, deux des six autrices des Salonnières étaient d'origine étrangère, à savoir Rivka Iliescu qui venait de Roumanie et Wang She qui venait de Chine. Et ces deux femmes avaient déjà vécu un exil non souhaité. Donc, l'exil provoqué par la guerre était un double exil, un double arrachement. Et sans hasard, peut-être, ce sont dans leur version écrite des contes qu'on va trouver ce motif lancinant de l'exil, le plus fortement martelé, et puis surtout un peu sous le prisme de la répétition, de la circularité. Tandis que l'événement étant inédit pour les autres salonnières, ça va être un petit peu différent. Alors, désolée pour cette introduction qui était un peu longue, j'en ai tout à fait conscience. Mais on va enfin passer donc au cœur de l'intervention. Dans un premier temps, je vais vous parler des contes proprement dit, donc de leur structure générale. Et là, je vais prendre un peu de recul. J'ai oublié de dire que de la quinzaine de contes immobilisés par les versions orales, on ne possède aujourd'hui que 10 contes. Malheureusement. Alors, on ne sait pas si c'est parce que les cinq autres n'ont jamais été fixés à l'écrit, les correspondances sont assez troubles sur ce point-là, ou s'ils ont tout simplement été perdus, ce qui est une possibilité aussi. Alors, oui, donc dans ma première grande partie, je vous parlerai des contes dans leur structuration générale, et dans la deuxième, je vais tout simplement me promener dans quelques contes particuliers et aussi explorer quelques motifs que j'aurais déjà annoncés dans le grand 1, mais de manière plus détaillée. Alors, déjà, ces contes, formellement, ils sont intéressants parce qu'ils sont tous écrits en vers. Ce sont des poèmes ou des contes, en tout cas, il y a une instabilité générique. Ce sont des vers libres, alors il faut se rappeler que dans l'histoire de la littérature masculine, le vers libre apparaît à la fin du XIXe siècle et qu'il se généralise plutôt avec le surréalisme quelques années plus tard. Alors, il y a de grands débats entre ma directrice de mémoire Ito Shimazu et le chercheur Christophe Planté sur la question de l'intentionnalité qui préside au choix du vers libre. Pour ma directrice de mémoire, il s'agit d'un choix délibéré, stylistique, qui veut inscrire une forme de rupture en fait avec un vers maîtré perçu comme masculin, perçu comme corseté. Et aussi, on aurait la volonté de l'établissement d'une filiation avec la poétesse, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, mais en tout cas, la première femme à théoriser et à écrire des vers libres est une poétesse. Enfin, c'est pas un homme, quoi. Pour Christophe Planté, il s'agirait d'une forme de naïveté, ces salonnières n'ayant pas bénéficié d'une éducation classique. Alors, à l'époque, là, je refais un petit point historique. Il faut savoir que les cours qu'on réserve aux filles et aux garçons ne sont pas les mêmes. Donc, les filles ne reçoivent pas de cours de littérature. En tout cas,
En fait, la littérature à l'époque, elle est enseignée beaucoup par des procédés d'imitation. Donc, on va enseigner aux garçons à écrire des poèmes en alexandrin, par exemple, des sonnets, des trucs comme ça, en imitant des auteurs anciens. Les filles n'ont pas droit, en fait, à ce type de cours. Ce qui explique qu'on ait souvent, pendant tout le 19e siècle, un hiatus entre les connaissances techniques des poétesses et des poètes, à part quelques rares exceptions. Donc pour Christophe Plantet, il s'agirait d'une forme de naïveté ou de facilité ou de remédiatisation de l'oralité et de son rythme propre. Bon, je sais pas quoi penser de ce débat personnellement, puisqu'en fait, bah, moi je me suis référée surtout aux correspondances et que c'est très trouble. Ensuite, quand on s'intéresse aux contes proprement dit, alors déjà les titres sont intéressants. C'est toujours conte de quelque chose. Alors, il y a le conte du pommier, le conte des deux vaches, le conte du boiteux, de la grange brûlée, de la souris. On a aussi le conte du verger, le conte de l'abeille jaune. Donc voilà. Ce sont à chaque fois des éléments pris à la vie quotidienne du village de Sonia-en-Belon. Ces femmes avaient un deuxième métier, comme on dit. Puisqu'évidemment, elles ne vivaient pas de leur poésie, qui restait relativement secrète. Comment dire? Et donc, elles étaient pour certaines cultivatrices, pour d'autres artisanes. Wang Che était herboriste et sage-femme, il me semble. Enfin, en tout cas, elles prennent des éléments vraiment de leur vie quotidienne, elles partent de ces éléments-là pour basculer vers le merveilleux, vers l'imaginaire, en fait vers l'espace du conte tout simplement. Et ce basculement est représenté de manière très concrète dans le conte de la souris de Wang Che, qui réinvente le motif de franchissement du miroir dans Alice au pays des merveilles. Là, on a en fait une enfant qui tombe dans un puits, et après tomber dans ce puits, elle se trouve dans un monde merveilleux. Alors je sais pas si c'est une réinvention, une réécriture, enfin je sais pas exactement quel est le positionnement de Wang Che par rapport à Lewis Carroll, mais voilà, je trouvais intéressant de signaler ça. Donc le motif du franchissement hein, est exploité à plein entre monde du village et monde merveilleux. On peut penser que ce motif-là évoque à la fois l'isolement géographique de ces femmes dans leur chapelle, quand elles franchissent en fait les limites entre le village, donc qui est un monde social, et la chapelle qui est leur monde à elles, mais aussi le franchissement, enfin le franchissement comme l'exil, quoi, le départ, le voyage. Et dans tous les cas, on a aussi un motif qui revient beaucoup hein, dans ces contes, c'est celui des espaces clos, fermés, à la fois des espaces accueillants, du type un peu cocon, et des espaces dangereux, comme par exemple la grange qui se met à brûler. Parce qu'en fait, la chapelle est un lieu précaire qui, au moment de l'écriture des contes, n'existe plus, a été littéralement détruit. Et détruit par des hommes, évidemment. Enfin, tous les contes portent en eux la marque de l'exil, et donc une temporalité double, hein, comme je disais dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on a à la fois trace du conte tel qu'il a été élaboré pendant les veillées, et à la fois trace de la subjectivité de la poétesse qui, elle, a vécu l'exil et réinscrit ce motif-là dans les contes. Donc voilà pour la structure générale des contes.